comme ça. Hop là. Allez, c'est parti. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On est heureux de se retrouver avec vous, chez vous. On a encore YouTube qui a du mal à se connecter, je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave, on va commencer de toute manière. Ça basculera automatiquement dans un moment, je sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave, on va faire avec, la technique elle est escalée. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et une bonne nuit hier. Ouais. En tout cas, nous avons été heureux de passer tout ce temps-là avec vous et de passer aussi tout particulièrement, je dirais, ce moment avec Carlos qui, je pense... fera d'autres soirées et je vous invite à regarder son site pour pouvoir aller régulièrement vous connecter, etc. etc. Ah oui. Ce soir, nous allons commencer tout simplement en écoutant la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu ? Parce que la parole de Dieu nous permet de développer en nous la foi. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu, nous dit l'Écriture. Et donc, nous sommes vraiment heureux ce soir de venir chez vous pour partager ce temps et avec vous vivre vraiment ce temps. Un moment d'unité. Un moment d'unité et vraiment de partage global. Ce soir, je voudrais que nous prenions le texte, si vous êtes d'accord, dans le livre, dans la première lettre aux Corinthiens. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 1. Et suivant. Moi-même, quand je suis venu chez vous, frères, ce n'est pas avec le prestige de la parole ou de la sagesse que je suis venu annoncer le mystère de Dieu. Car j'ai décidé de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Aussi ai-je été devant vous faible, craintif et tout tremblant. Ma parole et ma prédication n'avait rien des discours persuasifs de la sagesse, mais elle était une démonstration faite par la puissance de l'Esprit, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Pourtant, c'est bien une sagesse que nous enseignons aux chrétiens adultes, sagesse qui n'est pas de ce monde, ni des princes de ce monde. Vouée celle-ci à la destruction, nous enseignons la sagesse de Dieu, mystérieuse et demeurée cachée, que Dieu, avant les siècles, avait d'avance destinée à notre gloire. Aucun des princes de ce monde ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime, en effet, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui, donc, parmi les hommes, connaît ce qui est dans l'homme, sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, ce qui est en Dieu, personne ne le connaît, sinon l'Esprit de Dieu. Pour nous, nous avons reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin, nous n'avons pas reçu,
Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons de la grâce de Dieu. Et nous n'en parlons pas dans le langage qu'enseigne la sagesse humaine, mais dans celui qu'enseigne l'esprit, exprimant ce qui est spirituel en termes spirituels. L'homme, laissé à sa seule nature, n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui. Il ne peut le connaître car c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée du Christ. Ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que Dieu nous montre que dans sa sagesse infinie, il nous a laissé sa parole pour nous guider, pour nous éclairer, pour comprendre, pour discerner, pour appréhender tout ce qui fait de nous des chrétiens adultes. Dieu, dans son infinie sagesse, nous a donné cette parole qui est une sagesse qui vient de Dieu et non des hommes ni des princes de ce monde. Vous avez été nombreux hier soir à nous communiquer vos noms, vos prénoms, vos intentions de prière que nous avons présentées au Seigneur et que nous continuons à les présenter au Seigneur. Vous savez, il arrive parfois que dans nos vies, nous soyons confrontés au discours des hommes, au discours du monde, qui voudrait que nous pensions de telle ou telle manière, parce que le monde veut que nous soyons ainsi, alors nous devrions penser comme lui. C'est un choix que nous pouvons faire librement. Mais la sagesse de Dieu veut que nous pensions en chrétiens adultes. En tout cas, c'est l'enseignement que Dieu veut nous donner à travers cette lettre de Paul aux Corinthiens. Cette sagesse qui demeure mystérieuse et cachée aux hommes. Et dans le monde, on voudrait que les chrétiens se laissent guider ou qu'on leur dicte la manière de penser, la manière de croire, d'espérer, de vivre selon ses critères à lui, le monde. C'est ce qu'il voudrait. C'est-à-dire interdiction de culte, interdiction de ceci, interdiction de cela. Et bien sûr, quand on parle d'interdiction, automatiquement, vous avez tous ceux qui vont vous dire « Oui, encore, les complotistes, ils voient tout de travers. Notre pays ne veut que le bien pour chacun de nous. » Oui, il faut l'espérer. Il faut l'espérer vraiment. Je repense souvent à cet été où le nuage de Tchernobyl est arrivé à la frontière française et où les médias se sont targués de nous dire en longueur de journée et de soirée que le nuage s'était arrêté à la frontière et les Français ont cru cela dur comme fer. On a écouté les médias parce que les médias représentaient une autorité qui était celle des hommes et du monde et qui se voulait rassurante pour le peuple pour pas que le peuple panique. Mais le chrétien doit avoir une vision qui n'est pas celle des hommes ni du monde, mais de celle de Dieu. Le chrétien ne peut avoir peur, quelle que soit la situation qu'il doit subir ou endurer. Le chrétien, lui, doit se référer à la sagesse de Dieu qui est infiniment plus grande, mais qui est cachée aux puissants de ce monde et qui veut que nous soyons des enfants, des adultes avertis.
que nous soyons vigilants à tout ce qui est enseigné. Alors c'est vrai, les mystères de Dieu sont cachés au prince de ce monde, à la puissance de ce monde. Mais si cela est caché, elle n'est pas cachée pour autant aux enfants de Dieu. Amen. Amen. Elle est destinée pour notre gloire. Notre gloire, pas celle des voisins, non, notre gloire. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Parce que Dieu, avant les siècles, l'avait destinée à notre gloire. Aucun prince de ce monde ne l'a connue. Alors ces princes de ce monde, c'est qui? Ce sont tous ces hommes politiques qui, à longueur d'année, nous disent qu'ils vont faire ce qu'il faut pour notre pays, pour notre monde. Et certains sont de bonne foi et de bonne composition. De bonne volonté. Et de bonne volonté également. Et je ne doute pas de leur bonne volonté et de leur sincérité. Mais il n'en demeure pas moins que certains sont aussi, comment dire, assis entre deux chaises. Assis entre deux chaises parce que, quelque part, ils ont le pouvoir, l'autorité, mais aussi les lobbies qui leur imposent de faire certaines choses, qui leur dictent de faire certaines choses. Et au milieu se trouvent les chrétiens qui, eux, ne se réfèrent qu'à Dieu et qu'à Dieu seul. L'enseignement, la théologie, la doctrine d'Église, quelle qu'elle soit, elle est belle quand elle est au service de l'homme pour Dieu et non pas pour rendre l'esclave l'homme contre Dieu. La parole nous dit que ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Imaginez ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de faire quelque chose de grandiose pour chacun de nous, et chacun de nous cherche à faire la volonté de Dieu. Nous prions, pour certains nous jeûnons, pour d'autres nous allons intercéder pour des quantités de personnes qui nous sont confiées dans la prière. Et en effet, Dieu, quand il manifeste sa gloire, il veut que nous allions de révélation en révélation et de gloire en gloire. Ce qui a été caché au monde est révélé aux enfants de Dieu. Nous parlons en langage de sagesse. Nous parlons en langage mystérieux devant le monde. Et au milieu de ce monde, il y a des enfants de Dieu, des hommes et des femmes de Dieu, serviteurs du Christ, qui, sous le prétexte de la sainte obéissance aux autorités publiques, se taisent. Et pendant qu'ils se taisent, l'Église se meurt tout doucement dans ses racines. Or, Dieu ne veut pas que cette Église se meure. Bien au contraire, il veut que cette Église prenne force et puissance dans l'esprit pour avancer et pour faire comprendre l'enseignement de la parole aux enfants chrétiens, adultes, aux enfants de Dieu que nous sommes tous et toutes. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et par moments, les hommes de Dieu se laissent condamner par le monde. Parce que le monde va lui dire ce qu'il doit faire, ce qu'il doit penser, ce qu'il doit pratiquer, comment il doit pratiquer. Et c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui est pour prôner la radicalité fanatique, non. Mais une radicalité amoureuse de Dieu. Cette radicalité amoureuse de Dieu se veut être totalement ancrée dans le cœur de Dieu pour que nous puissions chérir le cœur de Dieu, servir le cœur de Dieu et honorer le cœur de Dieu.
pour que nous soyons nous-mêmes bénis et destinés à entrer dans la gloire qui nous est destinée. Le chrétien ne peut avoir peur de la mort et il ne peut avoir peur du monde et de ce que le monde peut lui dicter. Mais il doit être averti. Il doit être vigilant, prudent de tout ce que le monde veut lui faire dire ou croire ou penser. Le chrétien doit se positionner devant le monde en disant « Ma foi, mon Dieu, la parole de Dieu me dit ceci. » Mais moi, dans mon cœur, si je ne suis pas en position d'affirmer ce que je crois, alors, comme nous dit la parole de l'Apocalypse, que votre oui soit un oui, que votre non soit un non, les tièdes, je les vomis. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas accepter la sagesse du monde, dicter le chemin et la voie de l'Église, ni du peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas tolérer que ce soit le monde qui dise à l'Église ce qu'elle doit faire ou penser ou croire. Et comment pratiquer? Comment avoir cette vie et cette relation avec Dieu sous le prétexte qu'il faut à tout prix se protéger de ceci ou de cela? Le chrétien ne peut avoir peur parce que sa mort est le plus beau des cadeaux que Dieu va faire à l'enfant de Dieu qui meurt en Christ. Le chrétien, s'il a peur de la mort, alors il n'a rien compris. Si le chrétien a peur de ce que Dieu peut lui demander, alors quelque part il n'a pas compris que le plan d'amour pour lui est un plan d'amour pour que sa joie soit parfaite et non pas partielle. La sagesse du monde voudrait qu'on soit terrorisé, cloîtré et voire même affolé de tout ce qu'on entend et de tout ce qu'on voit. Aux États-Unis, deux hommes se battent pour le pouvoir. Et derrière ces hommes, il y a des pouvoirs qui se manifestent aussi et qui se battent derrière eux pour faire valoir des droits, des puissances, des manifestations. Mais c'est vrai que quelque part, nous sommes tous et toutes contraints. Et il est vrai, contraints de quoi? De voir des hommes et des femmes s'entre-déchirer sous des prétextes fallacieux, alors que le chrétien, lui, doit être dans la paix avec le Christ. Serein de tout ce qui peut arriver ou devenir. Parce que quoi qu'il lui arrivera, s'il est en Dieu, alors il ne craint rien. Que pourrait un homme si Dieu est pour moi? Que pourrait une puissance si Dieu est pour moi? Mais cela ne l'empêche pas d'être vigilant et être prudent et de savoir discerner des temps qui nous viennent et qui sont actuellement enseignés, inculqués par les médias à longueur de journée pour que la peur s'installe et s'insinue dans tous les pores du corps de l'homme et de la femme de ce monde. Le pape Jean-Paul II, quand il était venu en France, il avait dit « N'ayez pas peur ». Billy Graham, sœur Emmanuelle, et je crois que c'était l'abbé Pierre qui avait été interviewé un jour par... c'était Patrick Poivre d'Arvor, et les trois, Poivre d'Arvor leur avait demandé « Si vous restez quelques secondes à vivre, qu'est-ce que vous laisseriez comme message au monde ?» Ces trois personnes, sans s'être concertées, avaient répondu à plusieurs semaines d'intervalle « Priez, priez, priez sans cesse. » Et c'est la mission qui appartient au peuple de Dieu de prier pour ces autorités qui nous gouvernent et qui nous dirigent. Notre autorité est celle du Christ. C'est en Christ que nous devons prendre notre référence. Ce n'est pas dans le monde ni dans l'esprit du monde. Nous ne devons pas craindre l'esprit du monde. Même si ce monde veut nous détruire ou nous enfermer dans une sclérose de foi où tout le monde est complètement prostré par la peur. Non. Nous devons avoir la foi en Dieu parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors ne craignons pas ce qui nous arrive.
Et pour cela, je voudrais avoir une pensée toute particulière à tous ceux et toutes celles qui sont atteints du Covid. Tous ceux et toutes celles qui sont atteints de cancer, de problèmes cardiaques, de diabète, d'infections. Et je pense entre autres en particulier à une amie qui a appris avant-hier qu'elle avait le Covid. Elle s'appelle Véronique. Seigneur, vraiment, tu viens visiter Véronique là où elle est à cette heure-ci. Et nous pensons à tous ces frères et toutes ces sœurs qui sont aujourd'hui dans des chambres d'hôpital. Je pense à Richard qui était en réanimation jusqu'à quelques jours en arrière et qui est sorti de réanimation. Oui, il est chrétien, oui. Et alors ? Chrétien, ça ne veut pas dire que tu es immunisé contre tout, contre la folie des hommes, contre la folie de la maladie. Être chrétien, c'est affronter la vie d'aujourd'hui avec les armes que Dieu te donne. La parole de Dieu. Alors frères et sœurs, si nous croyons que nous avons un Dieu amour, nous allons maintenant confier à Dieu tout ce que nous vivons, tout ce qui se passe autour de nous. Et nous allons ensemble demander à notre Papa du ciel de venir nous rejoindre et de nous bénir et de bénir ceux que nous aimons, ceux qui nous aiment. Frères et sœurs, nous sommes tous et toutes attaqués de maintes manières, mais nous avons un Dieu qui s'appelle Papa, Abba. Nous allons chanter Abba Père. C'est très compliqué les paroles, Abba Père. Mais nous allons en présenter tous ceux que nous aimons, tous ceux qui sont chers à notre cœur, tous ceux qui sont contraints de subir tout ce qu'on veut leur faire subir. Et on va être attaché à Dieu maintenant pour que ce soit Dieu qui fasse toutes choses nouvelles. Amen. Nous te rendons grâce pour tous tes enfants
pour tous ceux qui sont présents en ce moment sur les réseaux sociaux pour te louer, t'adorer, te chercher, chercher ta face en vérité et en esprit. Seigneur, nous venons vers toi ce soir pour te présenter tout ce que nous aimons. Et j'ai dans le cœur que le Seigneur est en train de visiter un certain nombre d'entre vous, et particulièrement des personnes qui ont des problèmes de lombalgie depuis quelque temps, des problèmes de dos, avec des positions qui leur sont très douloureuses depuis quelque temps. Le Seigneur vient les visiter là où ils sont. Et le Seigneur est en train de visiter aussi des personnes qui ont eu des problèmes dans un accident de voiture, des problèmes avec les articulations de l'épaule droite. Le Seigneur est en train de visiter des personnes qui sont touchées, qui ont été touchées dans leur chair et que depuis ils ont du mal à lever le bras. Et le Seigneur vient rétablir. Et je vous invite à faire ce mouvement, ceux qui ont des problèmes de bras, et de commencer à témoigner sur les réseaux de ce que Dieu est en train de faire dans vos vies. N'hésitez pas à témoigner, parce que quand on témoigne, Dieu confirme la guérison, parce qu'on ose témoigner de la puissance qu'il manifeste. Et vraiment, ce soir, il veut toucher un certain nombre de personnes qui ont des problèmes d'articulation sur l'épaule droite, voire même sur l'avant-bras droit. Seigneur, vraiment, je te demande de venir visiter maintenant encore plus de malades qui sont ce soir touchés par le Covid. Et il y a des personnes qui sont aujourd'hui dans des EHPAD et qui sont seules et abandonnées, comme abandonnées dans leur cœur. Et des membres de leur famille sont très inquiets pour eux. Et le Seigneur vient les rassurer en leur mettant sa paix dans le cœur. Le Seigneur est en train de déposer la paix dans le cœur de beaucoup de familles ce soir, de ce que Dieu est en train de faire pour des malades. Le Seigneur est en train de dire, ne t'inquiète de rien, je m'occupe de tout ce que tu aimes. Et j'ai une parole prophétique qui est la suivante. Ainsi parle le Seigneur. Mon fils, ma fille, j'ai entendu ton cri, dit Dieu. J'ai entendu ta clameur. Elle est montée jusqu'à mon cœur et je descends jusqu'à toi pour y apporter ma paix et ma joie. Aie confiance, je suis avec toi, dit Dieu. Ne crains rien, ne crains rien, tu es à moi. Pour toi j'ai donné ma vie, ne crains pas. Il y a une certaine Lucie que le Seigneur vient visiter ce soir. Une Lucie qui est avec des problèmes céphaliques, avec des violents maux de tête depuis plusieurs années. Et le Seigneur vient rétablir tous ces maux de tête en les faisant cesser. Elle va se rendre compte dans les heures qui suivent que les maux de tête ont disparu. Et vraiment, le Seigneur est en train de la visiter avec puissance. Il y a une Gabrielle, tu as 25 ans et le Seigneur vient te toucher ce soir parce que tu as crié depuis plusieurs mois, tu es comme dépressive. Rien ne va dans ta vie, tout est fait d'échec sur échec. Et le Seigneur vient te dire ce soir, mon enfant, je viens vers toi et je vais te mener dans un chemin où tu vas goûter à ma gloire et à ma présence dans ta vie. Gabriel, ne t'inquiète de rien, car aujourd'hui je viens chez toi te visiter et apporter la paix dans ton cœur. Il y a aussi un Ludovic que le Seigneur vient toucher ce soir. Un Ludovic. Le Seigneur ne me dit rien de particulier, mais Ludovic se reconnaît à cette heure-ci parce qu'il a dans son cœur un projet qu'il désirerait mettre en place, mais il ne sait pas comment s'y prendre, mais les situations vont venir à lui. Alors Ludovic, tu ne t'inquiètes pas de ce qui va se passer parce que les situations vont aller dans le même sens pour toi et Dieu va accomplir des choses pour toi. Il y a une Sonia aussi que le Seigneur vient visiter ce soir. Une Sonia qui prie très fortement pour des membres de sa famille qui lui sont très chers. Seigneur, tu viens visiter Sonia et les membres de sa famille qu'elle te présente à cette heure-ci.
Viens, papa, viens. Viens visiter tes enfants. Viens visiter tes enfants. Seigneur, viens visiter aussi un Paul et une Valérie. Ils n'ont pas de lien de parenté, mais ils vivent la même situation dans leur vie. Ils sont au chômage tous les deux. Et Dieu leur dit à l'un comme à l'autre, vous allez avoir dans les semaines à venir une proposition d'emploi qui va vous permettre de sortir de ce gouffre dans lequel vous avez l'impression de sombrer depuis plusieurs années. Alors, mettez votre confiance en Dieu ce soir. Et il y a une personne qui prie très fortement pour un autre Paul qui, lui, a des problèmes de main. Il y a des femmes aussi qui ont des problèmes dans les articulations, dans les mains. Ils ont des douleurs très fréquemment, des fourmillements dans les mains, et principalement au niveau des pouces. Et que le Seigneur va toucher là maintenant et les rétablir totalement. Ces fourmillements vont disparaître, les mains vont avoir ces douleurs qui vont cesser dans les jours qui viennent, et les mouvements vont être de manière plus nette et plus claire et plus précise. Seigneur, vas-y, 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 continue Seigneur, continue ton œuvre Seigneur, continue ton œuvre Seigneur, continue ton œuvre papa, continue ton œuvre, continue ton œuvre, continue, continue ton œuvre. Il y a un Bernard qui est dépressif depuis plusieurs années suite à des événements dramatiques qui lui sont arrivés dans son cœur et dans sa vie, et le Seigneur vient le visiter ce soir. Bernard, dépose ton fardeau devant Dieu maintenant, donne-lui ton fardeau. Car Dieu dit ceci, tu es cher à mon cœur Bernard. Je viens ce soir restaurer tout ce que tu as subi ces dernières années. Je vais rétablir tout ce qui a été abîmé par les années. Et principalement ce qui a atteint ta santé. Ce qui a atteint aussi ta situation personnelle et familiale. Tu as eu l'impression de tout perdre. Et Dieu vient rétablir dans ta vie d'homme tout ce que tu as perdu. Et vient te rétablir dans ta dignité d'homme. Bernard, tu vas avoir une amélioration prochaine dans une partie de ton corps. Alors, je ne sais pas à quel endroit, mais le Seigneur me fait ce signe-là. Alors, ceux qui ont Facebook, ben, vous regardez, c'est ce geste-là que le Seigneur me montre à cette heure-ci. Une amélioration très tangible et palpable dans les semaines et les mois à venir. Ça va vraiment être tellement palpable que les membres de ta famille qui étaient récalcitrants à venir à Dieu vont venir à Dieu par ton témoignage. Bernard, aujourd'hui, c'est ton jour, c'est ton heure. Viens vers le Seigneur, dépose tout ce que tu as vécu, donne-lui et ne repars pas avec. Donne-lui ce soir parce que Dieu veut te soulager de ce fardeau, de cette douleur qui t'a accablé il y a plusieurs années et qui t'a comme transpercé ton cœur comme si tu allais mourir. Et Dieu te dit, mon fils, j'ai vu tes souffrances, j'ai vu tes combats, j'ai vu tes douleurs. Et aujourd'hui, je mets dans ta vie la paix que je te destine depuis toujours. Mon fils, ne crains pas, car je t'ai racheté. Il y a des personnes aussi aujourd'hui qui voudraient rencontrer Dieu, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Alors je vais les inviter à se mettre à genoux là maintenant, là où ils sont chez eux. Mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux maintenant. Et posez la main sur votre cœur comme je le fais maintenant. Et répétez après moi, Père, dans le nom de Jésus, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne tout ce que je suis. Tout ce que j'ai subi, je te le donne, Seigneur. Je te donne les trahisons, les blessures, les humiliations, tout ce qui a fait de moi un être blessé. Tout ce qui a fait de moi un être qui n'a jamais cru en l'amour possible dans ma vie. Et où je me suis leurré maintes et maintes fois. Seigneur, je viens vers toi ce soir pour que tu changes ma vie.
Seigneur, je viens ce soir chez toi, dans ta maison, Seigneur, pour que tu viennes dans mon cœur et que tu y déposes ta paix et ta joie. Je veux t'appartenir, Seigneur Jésus. Je veux que tout mon être t'appartienne. Je veux que tout ce que je suis devienne le reflet de ta gloire, Seigneur. Je veux que ma vie, Seigneur, soit là pour toi. Et que rien ne puisse jamais me séparer de cet amour que tu veux me donner ce soir, Seigneur. Je l'accueille, cet amour. Je l'accueille. Et je tends mes mains vers toi. Et faites ce geste. Je tends les mains vers toi, Seigneur, pour accueillir cet amour. Ce cadeau précieux que tu veux me donner. Je veux te recevoir, Seigneur, et faire de toi le sens de ma vie, le sens de mon bonheur. Jésus, je te demande qu'une seule chose en retour, du fait que je me livre à toi ce soir. Ne permets pas, Seigneur, qu'un jour je sois éloigné de toi. Ne permets pas que mes doutes et mes peurs ne puissent m'éloigner de toi. Ne permets pas que ceux qui sont contre moi ne puissent avoir des droits sur moi. Je me libère de leur influence dans ton nom, Jésus. Je me libère de toute leur puissance et leur manifestation contre moi dans le nom de Jésus. Alors Père, maintenant, au nom de Jésus, change ma vie. Change ma vie, Seigneur. Recouvre-moi de dons des langues. Recouvre-moi de la prière qui vient de ton Saint-Esprit. Que la puissance de ton Saint-Esprit vienne sur moi ce soir et m'inonde de ta gloire, Seigneur Tout-Puissant. Que je ne puisse plus jamais avoir peur du lendemain. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur du lendemain et Dieu vient les rejoindre dans leurs souffrances, dans leurs inquiétudes et il leur dit ne t'inquiète pas. Il le dit au singulier, à la deuxième personne du singulier. Tu es mon fils, tu es ma fille, ne crains pas. Je t'ai racheté. Mon fils, ma fille, tu as du prix à mes yeux. Et je t'aime, dit Dieu. Beaucoup de personnes pleurent à cette heure-ci là où ils sont. Beaucoup de personnes sont comme accablées par cette souffrance qui les assaille, par la peur de mourir, de la peur d'être malade, d'être contaminé, ou qu'un des proches leur soit contaminé, contagié, et puisse décéder de tout ce qui est annoncé dans les médias. Mais toi, Seigneur, ce soir, tu viens les rassurer. Tu viens déposer ta paix ce soir dans leur cœur. C'est vraiment une parole de prophétique de la part du Seigneur. Il donne sa paix en abondance sur chacun de vous ce soir. Il donne sa paix et sa joie pour beaucoup d'entre vous ce soir. Il donne sa paix en surabondance afin que vous ne tombiez plus, que vous n'ayez plus peur de demain, que vous n'ayez plus peur et que vous ne tombiez plus sous les séductions de ce monde, que vous soyez ferme dans la foi, dans le Christ Jésus, pour la gloire de Dieu, grâce à son Saint-Esprit. Que le nom de Jésus ce soir vienne continuer son œuvre pendant cette nuit, qu'il continue son œuvre dans vos cœurs et dans vos vies, qu'il continue son œuvre dans vos vies. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous sommes tous et toutes ce soir convaincus que Dieu va faire des grandes choses encore chez beaucoup d'entre vous. Ne doutez pas de cela. Ne doutez pas de cela. Ou alors doutez de vos doutes, mais pas de Dieu. Amen. Bonne soirée, on a été un petit peu plus long que prévu. Mais quand le Saint-Esprit est là et qu'il veut faire quelque chose, eh bien, on n'a pas le droit de lui mettre un cadenas sur le temps. Alors, désolé pour ceux qui étaient pressés, mais Dieu est Dieu et c'est lui qui gouverne et pas nous. Amen. Soyez bénis.
À demain, dans le nom de Jésus. On vous embrasse tous et toutes et à très très bientôt. À demain. À demain. Au revoir. Soyez bénis.